On va avoir besoin d'un coup de main. Celle-là, c'est chaud. Hey! Quand je veux. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe que Daniel allait changer de sexe et qu'il vivrait l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Aux femmes des années 80, moins Colombine qu'Arle Quin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamins l'eau conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa police, et femme bancaire planquée en Suisse, et femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline, et contre-maîtresse à l'usine, vers le matin les abattoirs, et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler les gamelles au planton. Genre de promotion par les silences, ceinture marron, champion du monde des culturistes, et Messici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien aller papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au porte-jartel, et au steward couler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire panter la France. Femme et gardienne de prison, chanteur d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, porte des halles, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges et qu'on aime bien sans soutien-gorge. Des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Aux femmes des années 80, Colombine qu'Arle Quin, sachant pianoter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamelles au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Vous êtes formidables, bravo, bravo, bravo.